Oh waouh! Ah oui, quand même! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je vais vlogger plusieurs jours de ces prochains jours. Waouh! Oh, tcha! Pouh! Je me réveille, c'est compliqué, ok? Oh. On a pout-pout! À mon bébé! Rassure-toi! Ah bah dis donc, allez, oh la fusée, tu vas où là? Non mais tout ça pour aller manger quoi, tu pourrais dire bonjour au moins. Que je vous explique un petit peu, en attendant d'avoir un vrai travail qui va bientôt arriver, j'avais repris tout ce qui est garde de chien et garde de chat. Et donc en ce moment je m'occupe de deux chiens, un chien notamment dont je m'occupe seulement pour une promenade, donc je vais aller le promener cet après-midi, et un chien dont je m'occupe le matin et le midi. Donc avant même d'aller petit déjeuner, je vais aller en pyjama et avec cette tête-là m'occuper de cette petite chienne. Allez, let's go, on y va. Oh, il fait encore dodo. Bon, je vous présente Fabulette. Oh, petite mère. Bon, ma mission avec elle, en gros, le matin, je dois ouvrir tous les volets. Et si elle le souhaite, et ça fait plusieurs fois qu'elle le fait pas, et ben, elle va faire son petit tour dans le jardin. C'est une chienne qui est vieille, qui est aveugle. Pas la promener, ils m'ont conseillé de pas la promener. Je sais pas si elle va vouloir faire son petit tour ce matin. Enfin bon, oh, elle a pas l'air de vouloir, elle fait grasse mat la Mimi. Bon, je vais ouvrir tous les volets. Là, on est sur une très belle grasse massée et quoi. Tu t'en fous que je sois venue, quoi. Bon, bah écoutez, je vais attendre un petit peu et puis si elle veut pas, de toute façon, je repasse le midi. Si moi je vais dehors, tu vas me suivre? Fabulette? J'ai un recours. Hein. Ah, ma technique a peut-être marché. Fabulette? Oh, coucou, mes mères! Oh, oh l'audace. Allez. Oh. Maya! Maya! Les fesses, les fesses, les fesses. Oui, ça fait du bien les papouilles. Oui, ça fait du bien les papouilles. Tu veux juste des gratouilles, mais c'est pas possible. Pour faire le pipi le matin. 20 minutes later. Musique. Ma mission de ce matin, c'était un peu un échec. Moi, je te dis à tout à l'heure. Tout à l'heure, ma belle. Ça y est, j'ai retrouvé ma petite boule de poil à moi. Qu'on a rien à péter. Tu pourrais au moins ronronner, faire semblant d'être heureux. Mon bébé. Bon, je me suis préparé mon petit déjeuner. Ça y est, je suis posée. Donc alors, moi, je mange toujours une banane, des petites biscottes. Ce matin, j'ai envie de remettre dessus. Elles sont au blé complet, elles sont trop bonnes. Saladier de thé, clairement. Et comme vous pouvez le voir, des compléments alimentaires. Ça ressemble à un placement de produit, mais pas du tout. Je ne suis pas rémunérée, ok? Mais je vais quand même vous en parler parce que c'est un vrai coup de cœur. Je vais être très synthétique, je vous le promets, ok? J'ai mis sur mon CV que je savais être synthétique, donc normalement je sais le faire. En gros, Cure, c'est une marque de compléments alimentaires. Vous allez sur leur site, vous répondez à un questionnaire où en gros vous parlez de toutes vos problématiques et ça vous propose des compléments alimentaires adaptés à vos problématiques. Et après, vous, dans ce qu'ils vous proposent, vous piochez ce qui vous intéresse et vous recevez dans une box mensuelle. Voilà, des petits sachets, c'est un sachet par jour où vous avez tous vos compléments, donc sous format de gélules. Putain, j'ai été vraiment synthétique, hein. Moi, j'ai 5 gélules plus la poudre à prendre. Donc moi, j'ai principalement pris des trucs pour mon transit intestinal, puisque j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Donc j'ai notamment des probiotiques, j'ai pris aussi des trucs pour ma peau et mes cheveux, donc du zinc. J'ai pris du magnésium, j'ai pris la poudre, c'est de la L-glutamine, c'est pareil, c'est pour le transit. Oui, on parle caca ici, ok? Des problèmes de caca. Tout est recyclable en plus, donc vraiment je trouve le concept génial. Je vais piocher mon petit sachet du jour parce que sur chaque sachet, il y a un petit mot. Bonjour Margot, petites habitudes, grand changement. Waouh, nous sommes sur de la philosophie. Je trouve le concept trop cool et je sais que j'ai un code de parrainage que je vous mets sur l'écran. Puis je le remets en barre d'infos. En barre d'infos, vous avez plein de bons plans parrainage que moi je mets... tout le temps à disposition. C'est tout le temps en barre d'infos qu'il faut aller voir. Eh ouais, elle est pas là pour rien. Le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'il y en a qui sont énormes. Si vous galérez à avaler comme moi, titre. Bah des fois c'est un peu compliqué quoi. Des fois j'ai un peu peur de m'étouffer. En plus comme c'est vous qui choisissez en fait les compléments alimentaires que vous prenez dans votre box, bah c'est vous qui choisissez le prix finalement. Après vous pouvez les retirer de votre panier si ça fait trop cher. Enfin voilà quoi. Et c'est du sport, hein. Voilà, j'arrête ici ce placement qui n'est pas un placement. Je vais prendre mon petit déjeuner devant de petites vidéos YouTube, hein. Promis, ce vlog, ça ne sera pas que des animaux. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Vous savez ce qui se passe pour moi dans quelques jours. Hop là, le petit repas du midi qui n'a ni queue ni tête, des nuggets
avec des petits pois carottes. Bon, je vous retrouve, je suis beaucoup plus pimpée. Ah, ça fait plaisir, j'avais envie aujourd'hui. Je vais faire ce que j'appelle ma tournée des chiens, puisque là, je vais enchaîner. Donc, je vais retourner voir la petite chienne que vous avez vue tout à l'heure. Je vais lui donner à manger. Et ensuite, je vais aller voir un autre chien que je vais promener pendant une demi-heure, puisque sa maîtresse est au travail. Je suis triste parce que c'est une des dernières fois que je vais le voir, parce que voilà, je faisais ce petit job en attendant de trouver un travail. Et si vous me suivez sur Insta, vous le savez, j'ai trouvé un travail à 50%. Mais du coup, bah, je ne vais plus pouvoir faire ces promenades de chiens, donc je suis un peu triste. Mais bon, bref, pardon. Let's go faire la tournée des chiens. Alors, comment allons-nous être accueillis? Oh, encore au dodo? Ah, ah, madame se lève. Coucou. Oui, t'es belle. Oui, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Viens là. Viens. Viens, ma belle. Voilà. Là. Bon appétit. Oui, on se revoit demain matin. Et là, vous devez vous dire, mais qui s'en occupe l'après-midi et le soir? Eh bien, c'est un membre de la famille, des propriétaires. Bon, bah, allez, on va aller voir le deuxième chien. Bon, allez, on va se mettre une bonne petite playlist. Allons-nous être accueillis? Et voilà. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, tu es beau, oh, tu es beau, tu es trop beau. Oh, tu es trop beau, tu es trop beau, tu es trop beau. Et voilà, on fait des gros câlins. On fait les fesses et la tête en même temps. Oui, oui, c'est très important ça. Il faut savoir que ce petit loulou, ça fait 3 mois que je le promène toutes les semaines. Donc je me suis vachement attachée. Je suis presque triste d'avoir trouvé du travail parce que je vais plus te voir. Et bah pouille. Je vais te manquer. Oui, 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 oui. Je prends ça pour un oui. Tu vas me manquer aussi. Très fort. On va sortir. Oui, oui, allez, on y va. Allez, vas-y, on y va. Toujours la galère avec tes poils. T'as trop de poils. Alors, il faut savoir qu'avec Raiko, c'est pas du tout une balade tranquille. C'est-à-dire que là, ça fait 2 minutes, je suis déjà essoufflée. Ça, c'est une vraie fusée. Bon, là, forcément, je vous dis ça, c'est la pause sniff-sniffer et pipi, quoi, voilà. Mais après, hop! Regardez-moi ça, c'est une fusée. Ça me fait mon sport de la semaine à chaque fois. C'est terrible. Bon, bah voilà, balade terminée. Toujours intriguée par cette caméra. Tu vas me manquer, mon loulou. Mais je t'envoie demain, en vrai. Mais ça fait partie des dernières promenades. Oui, je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste. Bon, let's go home. Voilà, rentrer chez moi. Oh, il faut que je valide mes pas. WeWard, d'ailleurs. Vu que j'ai dû bien marcher avec le petit loulou. Si vous connaissez pas, j'ai un code de parrainage pareil en barre d'infos. Ce n'est pas une ponceau. Vous marchez, vous validez vos pas, ça vous fait des petits sous. Moi, j'ai déjà eu un virement de 20 euros grâce à ça. Bon, les amis, il faut que je vous fasse une confession. J'ai l'impression d'être une personne de 90 ans en disant ça. Je me suis inscrite à un jeu télé. Je sais pas si je vais être prise, je dis en vrai, j'en ai aucune idée. Le jeu télé, c'est 100% logique. Trop kiffé le concept, je me suis inscrite sur un coup de tête. Mais en gros, c'est des questions de logique, c'est pas des questions de culture G. Je me regarde tous les replays de l'émission pour entraîner mon cerveau et comprendre la logique, en fait, enfin, plein de logiques différentes, quoi. Du coup, il y a la bouilloire qui s'énerve en fond. Au cas où je suis prise, je m'entraîne. Donc voilà mon petit programme du début d'après-midi, c'est que je vais regarder le replay de 100% logique qui est passé hier soir à la télé. Je sais que vous me jugez là. Du coup, je vais regarder ça. Arrêtez de me juger! Je sais que vous me jugez, arrêtez! Je suis dépitée, il n'y a pas de replay parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'émission hier soir. Oh les gars, je suis trop contente, j'ai trouvé un replay d'une émission que j'ai pas vue. Que de rebondissements incroyables dans ce vlog. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur la chaîne La Paix. Du coup, c'est bon, je peux regarder l'émission. Il est actuellement 17h30. J'ai terminé de regarder mon replay telle une vieille petite mamie. Et de base, je devais aller chez mon frère, mais finalement, ça ne se fait pas. Donc, je vais lancer un petit live sur Instagram. Je fais souvent des lives sur Instagram. J'aime beaucoup faire ça, mais c'est toujours le stress. J'ai toujours peur qu'il y ait personne, qu'il n'y ait pas de questions, qu'il n'y ait pas de conversation et que du coup, que ce soit nul. Let's go. Ah, le monde arrive.
Hello, 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 coucou le vlog, eh oui. Live tous les week-ends, franchement je pense que je vais finir par faire des lives tous les week-ends, ouais. Comment ça va? Bah ça va bien et vous? Dites-moi, racontez-moi un peu votre journée, comment vous allez. On peut parler de tout et de n'importe quoi ici, on a parlé de caca hier, donc on peut vraiment parler de tout. Eh bien bonjour, je vous retrouve, nous sommes quelques jours plus tard pour vous faire un petit peu l'introduction à la journée de demain, dont j'ai très peur, ok. Pourquoi je vous fais l'introduction de la journée de demain aujourd'hui? Parce que demain je me lève très tôt, que j'aurai la tête là où je pense, c'est-à-dire dans mon fion, et que je me connais, je pourrais pas vous parler. Je profite de poser le soin repigmentant sur mes cheveux, voilà, pour ceux qui veulent savoir en plus comment j'entretiens la couleur de mes cheveux. Vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, demain je pars à Paris pour aller me faire tatouer mon plus gros tatouage. Donc en fait, je vais terminer mon bras droit, qui est celui-ci, où il y a déjà ce bracelet floral. Donc je pars pour la journée, puisque c'est une séance qui va durer au moins toute la journée. Il m'a dit qu'il faudrait peut-être que je revienne à Paris une autre fois, si jamais on n'a pas terminé. Je suis très stressée, parce que déjà c'est un gros tatouage, c'est un tatouage qui me tient énormément à cœur, c'est un tatouage pour ma maman. Donc forcément, qui dit tatouage très sentimental, dit encore plus d'appréhension que pour les autres tatouages. En plus de ça, enfin, je connais pas du tout le tatoueur, enfin, je le suis sur Instagram et il fait un travail magnifique. Je ne doute pas trop en fait du fait que mon tatouage sera très beau, mais en fait j'ai peur de tomber sur un tatoueur pas très sympa. Donc je suis hyper stressée, demain je me lève hyper tôt puisque je prends le train à 7h30 je crois. Oh, j'ai des taches sur mon crâne. Ah, j'ai merdé là. Là j'ai merdouillé là. Je suis stressée pour tout. Hein. J'ai peur de louper mon train, j'ai peur de pas me réveiller, j'ai peur de tomber sur un tatoueur pas sympa. J'ai peur qu'au final ça me plaise pas d'avoir le bras complètement tatoué. J'ai peur de tout parce que c'est un gros changement corporel. Et du coup j'ai peur d'avoir la diarrhée parce que je stresse. On se dit tout ici, on est entre nous, ok? Mais je voulais vous faire cette petite introduction parce que demain matin, clairement, à 6h du matin, je n'aurai aucunement le courage de vous parler. Dis Siri, dis Siri, dis Siri, dis Siri, mets un minuteur de 20 minutes. C'est parti pour 20 minutes. Il m'énerve des fois. Deuxième tatouage du mois, hein. Oui, si vous me suivez sur Insta, vous le savez. Donc voilà pour la petite introduction à la journée de demain que je voulais vous faire. Je suis comme ça, vous l'aurez compris. Mais bon, on se retrouve dans quelques secondes pour vous et demain matin pour moi. J'ai peur. Non, c'est pas pour toi. Faire un petit topo, je suis bien arrivée à Paris, j'ai quelques minutes de retard mais là je suis devant le tatoueur donc je vais rentrer. Je suis un petit peu en retard, j'ai 3-4 minutes mais Louise m'a envoyé un message pour me prévenir qu'il avait 30 minutes de retard et il s'excusait. Je suis pas la plus en retard, c'est lui le plus en retard mais je vais quand même rentrer. Alors, pause. Je vous explique rapidement. D'abord, il va me raser parce que j'ai beaucoup de poils, ok? Mais on va passer à la pose de tous les stencils. Mais avant ça, on a passé au moins, je dirais, 3/4 d'heure, 1 heure, à voir ensemble les dessins, décider en fonction des mouvements de mes bras, de mes muscles, où placer les différents éléments. Voilà, on n'a pas direct commencé par les stencils. Il m'a montré plusieurs modèles, par exemple, d'hirondelles, de papillons, de fleurs. C'était la petite pause parce que ça, je ne l'ai pas filmé. Ça, il y a du poil. C'est la caisse de doigts pour tout le monde, hein, on est obligé. On a 2-3 feuilles, tu vois, comme on a dit, sur le bas, là, juste là, ici, là, tu vois. Ouais. Pour finir, en fait, la longueur du bras, ce sera pas mal. Ouais, sinon, ça va faire bizarre. Ouais, ça va s'arrêter net, c'est pas forcément moche, mais je trouve que ça peut être cool d'avoir 2-3 feuilles. Ouais, ça fait un rappel, quoi. C'est ça. Je trouve que lui, ça l'imbrique bien, au moins. Ouais, ouais. Je suis bien poilue. Je suis plein de cadeaux. Oh, c'est pire, hein. C'est le mec qui a parfois. Oui, il y a des mecs, mais moi je suis femme, tu vois, je suis bien poilue. Ah, il y en a, vraiment, c'est des ours. Ils ont tellement de poils, tu vois même pas leur peau, genre. Elle est toute par terre. Tu vas relâcher le bras. Pour tout ça qui est déjà plus longtemps, on a gardé les écarts.
tu vois, ce vide-là, je trouve qu'il est bien. Ouais. Tu vois, on le retrouve un peu là, enfin, a... et puis on le retrouve un petit peu là, tu vois, un petit peu là. Ouais. Je trouve que c'est bien, parce qu'après, si on vient tout remplir, je trouve que ça va être too much. Ouais. Et on va perdre des mouvements. Donc là, il y a juste les bases, après je vais connecter des choses, d'autres bas. Tu vois, en gros, ça c'est une compo là c'est une compo là, et là une compo là. Tu vois, okay. Ça, trois compos, plus les deux oiseaux. Donc ça, ça va être relié, il va y avoir des feuilles en plus et tout. C'est bien. Ouais, je suis trop fan. C'est bien, hein. Ah, j'adore. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'on a posé tous les stencils et ensuite, il a dessiné ce qu'on appelle en freehand, donc au feutre directement sur la peau. Petits grès de feuilles, des petits graminées. Donc tous les petits traits rouges que vous voyez, c'est ce qu'il a dessiné directement sur ma peau au feutre. C'est ce qu'on appelle du freehand, donc pour le dire en français, à main levée. Ça a permis en fait de faire la connexion entre les différentes fleurs, les différents éléments du tatouage pour avoir quelque chose d'harmonieux. Ça avance bien et c'est incroyable. J'ai envie de pleurer de joie. C'est incroyable. Là, ça y est. Le tatoueur comme moi, on commence à ne plus en pouvoir. Mais ça avance et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. On est au bout de notre vie, je crois. Ça sera pas terminé aujourd'hui, c'est sûr. Et bien me voilà sortie de chez le tatoueur. Je suis exténuée et il était exténué aussi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas terminé. On a préféré remettre un rendez-vous, je vais pas payer plus cher donc ça c'est cool, mais on va remettre un rendez-vous parce que en fait il m'a dit sinon je vais finir à l'arrache, ça sert à rien, et en fait il sentait que moi tout mon corps tremblait. Du coup j'ai rendez-vous un dimanche, le mi-avril, pour le terminer. Donc si vous voulez le voir fini, bah, je vous invite à me suivre sur Insta puisque c'est là que je le montrerai, je pense. Donc bon, je vais filer tranquillement à la gare Montparnasse, du coup j'ai grave le temps. Et bonsoir, je vous retrouve, je suis rentrée chez moi. Je suis même dans mon lit alors qu'il est assez tôt je crois. 22h21, ça va, j'ai connu pire. Je suis exténuée, ça fait des heures que je suis exténuée. Une journée de tatouage pareil, c'est intense. Je pense que le tatoueur est aussi exténué que moi. Je voulais juste conclure cette journée, mais je vous retrouve dans quelques secondes pour vous faire un bilan de cette expérience avec ce tatoueur. Vous montrer où en est le tatou, parce que comme vous le savez, il n'est pas terminé. Il y a une grande partie qui est faite, donc vous montrer en gros où on en est et quelle est la suite du projet du tatouage. Je vous retrouve dans quelques secondes. Bonne nuit. Bah, bonne nuit à moi. Finalement, peut-être à vous si vous regardez cette vidéo, mais du coup finissez la vidéo. À demain. Et salut salut, on se retrouve donc pour clôturer ce vlog. Je vais vous raconter mon expérience avec le tatoueur, puis après je vais vous montrer le tatouage où il en est. Il y a plusieurs mois de cela, je vous ai demandé sur Instagram des noms de tatoueurs dans le style que je voulais, c'est-à-dire fine line, plein de noms de tatoueurs. J'ai découvert des tatoueurs incroyables et vous m'avez été plusieurs à recommander celui chez qui je suis allée, donc je vous mets son Insta ici. C'est Alexandre et c'est le fondateur du salon de tatouage, du shop Lacer Paris. C'est un tatoueur que moi je ne connaissais pas du tout. Quand je suis arrivée sur son Instagram, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai craqué totalement sur le travail qu'il faisait. Et j'ai donc contacté, envoyé un mail, et à mon grand étonnement, il a accepté mon projet. J'ai contacté plusieurs tatoueurs et ils m'ont quasiment tous dit non, parce qu'ils ne... vu que mon tatouage existant était du old school, ça n'allait pas du tout avec leur style, donc ils ne voulaient pas. Et là, j'ai eu un oui. Je me suis dit what the fuck. Au téléphone, j'ai bien insisté. J'étais genre mais vous avez bien compris le projet. Enfin, est-ce que... Alors moi je savais pas son nom à l'époque, donc je dis est-ce que Dot a bien compris le projet. Enfin, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu une intuition. Je me suis dit let's go. Le stress pendant pas très longtemps, parce qu'en fait j'ai eu trop de chance. Normalement il y a des mois d'attente et moi j'ai dû attendre genre 2 semaines et demie. Donc trop bien. Et moi je vous fais mon retour qui va être hyper positif. Oui, je sais que vous attendez que je vous le montre. 2 minutes, ok? Déjà, hygiène impeccable.
hyper professionnel, hyper à l'écoute. C'était génial. En fait, on a fait le dessin ensemble, entre guillemets. Il m'a fait plusieurs propositions, on a choisi la taille ensemble. Et en fait, il a été d'un professionnel incroyable, notamment sur la disposition des stencils, donc la disposition des différentes fleurs, de l'hirondelle, du papillon. Et en fait, tu sentais qu'il était hyper pro parce qu'il savait... Par exemple, il me disait, ouais, là, le mouvement de l'hirondelle avec le triceps, ça va être comme ça. Et puis les fleurs, faut que je vais en mettre par là, et puis machin. Enfin, tu sentais qu'il savait ce qu'il faisait. Le projet initial, en fait, c'était que je parte de mon tatouage existant et que ça s'arrête à l'épaule. Et en fait, le projet l'a tellement emballé qu'il est allé plus loin. Je suis trop contente parce que c'est déjà magnifique alors qu'il n'est pas terminé. Donc, en plus de ça, moi, je l'ai trouvé très sympa. J'ai vraiment passé 6 heures... complète à me faire tatouer avec lui. On n'a pas parlé pendant les 6 heures parce qu'il était concentré, j'étais concentrée aussi pour résister à la douleur parce que ça fait mal. On a rigolé, enfin voilà, c'était quand même fun. Il a été aussi hyper professionnel parce qu'il s'est arrêté parce qu'il n'en pouvait plus. Il m'a dit que clairement il pouvait le terminer, mais que ça aurait été terminé à l'arrache et que ça aurait été de moins bonne qualité et que lui ça ne lui plaisait pas de faire ça. Je trouve ça hyper pro. Il m'a remis une séance un dimanche, alors que le shop est normalement fermé le dimanche, mais c'est parce que moi, je ne pouvais pas autrement en semaine vu que je viens de Rennes et que c'est sur Paris. Donc il va travailler un dimanche juste pour moi. Et c'est pas parce que je suis youtubeuse, parce qu'il a pas demandé le nom de ma chaîne. Il a vu que je suis une même, il m'a rien demandé. Hein. Moi, ça a été un énorme coup de cœur, ce tatoueur. Et ce tatouage, je vais voir quand il va vieillir, comment il va vieillir. Mais et qui sait comment rendre un projet quand tu lui expliques comment il arrive à le rendre encore plus beau en vrai. Moi, c'était vraiment... Enfin, ça m'a choquée, en fait. En fait, c'est le positionnement des différents éléments qui rend le projet encore plus magnifique. En plus, il a un chien qui est trop mignon. Donc moi, ça m'a fait craquer. Allez, je vais vous montrer le petit tatouage. Enfin, le petit, tout est relatif. Ça me fait mal, par contre. Ah, mon Dieu. Il est tellement beau. J'essaie de vous le montrer déjà en global. Mais c'est compliqué, il est tellement grand. Voilà en global où on en est. De base, le projet devait commencer là et s'arrêter en gros ici. Il m'a fait déjà des petites fleurs à ce niveau-là qui n'étaient pas du tout prévues. Putain, je vais plus être en suite par contre. Ouf. Moi, je voulais absolument un papillon. Je rappelle que c'est un tatouage pour ma maman. Et une hirondelle. Cette hirondelle, pardon, mais pardon, elle est... incroyable. Toute cette partie là il l'a fait, enfin en tout cas toutes les feuilles là il l'a fait à main levée. D'ailleurs pour la douleur c'est l'endroit qui m'a fait le plus mal, l'intérieur du bras, il m'avait prévenu. Donc on a juste fait les tracés de cette pivoine. Là c'est à remplir cette pivoine et ce qu'on va faire, on va rajouter des petites fleurs ou des petits graminées. Vous voyez les graminées, quand je dis graminées c'est faut que je retrouve, c'est ça. Et de ce côté-là, on voit encore un peu les traces de feutre, mais vous avez vu sur le stencil hier, en fait, il va y avoir des fleurs qui vont aller jusqu'à ma clavicule. Le projet est encore plus grand que ce qui était prévu initialement. Moi, je le trouve magnifique, ce tatouage. Je suis choquée à quel point mon ancien s'imbrique bien. En fait, il a réussi à imbriquer un tatouage qui n'a rien à voir comme style avec... son style à lui, enfin je suis émerveillée quand je vois mon bras, vraiment. Il va me faire tout ça en plus, et il m'a fait ça en plus, gratuitement en fait, c'était pas prévu dans le projet du tout, sauf qu'il m'a dit, bah moi ça, le projet il m'a emballé, donc je vais pas te le faire payer plus, parce que bah on t'avait dit un chiffre, donc tu vas payer le montant qu'on t'avait dit. Je suis fan, écoutez, j'ai pas d'autres mots, j'ai l'impression que c'était pas moi, j'ai envie de pleurer en fait, parce que je sais que ma mère aurait adoré ce tatouage, et je suis tellement heureuse de l'avoir sur moi. C'est vraiment un shop avec plein de tatoueurs, donc vous pouvez découvrir des tatoueurs qui ont l'air très talentueux aussi et très gentils aussi. Moi j'en ai croisé deux qui sont venus me voir, sont venus me dire bonjour, voilà, qui étaient curieux du projet et qui trouvaient le projet génial. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, c'est pas du tout ça. En même temps je vous souhaite une bonne journée, mais je vous fais de gros bisous, ciao !